high fidelity it's great that's interesting. fantastic perfect life <laughs> <laughs> 27 novembre 2014, une des salles du Chat Noir. Alors je vais vous demander de vous présenter un par un. Bonjour, moi je suis Christine Goud, je suis donc euh, comédienne chanteuse au sein du théâtre de la Gargouille, à Bergerac. Bonjour Jean-Baptiste Lablaigne, responsable technique et monteur du chapiteau. Eh bien je m'appelle Agnès Auger et je suis administratrice euh, au théâtre de la Gargouille. Alors, merci pour ces présentations. On rappelle aux gens que Bergerac connaît la gargouille et le chat noir depuis pas mal de temps maintenant. Vous allez nous expliquer justement euh, cet historique. Et puis pourquoi le chat noir ou la gargouille, ces deux noms Alors l'historique rapidement. Effectivement, le théâtre de la gargouille a été créé en 1980 par Gérard Guillemin et moi-même. Donc ça fait maintenant euh, 34 ans. Et euh, pourquoi le théâtre de la gargouille Parce que les gargouilles ça fait des grimaces, ça tire la langue et en même temps c'est une référence un peu au Moyen-Âge puisque la gargouille a quand même commencé à, en faisant des sons et lumières euh, beaucoup avec de la mise en valeur historique du patrimoine. Et pourquoi la salle du petit chat noir? Parce que lorsque la compagnie est devenue professionnelle en 81, 82 et 83, nous avons beaucoup tourné avec un premier spectacle qui était justement sur Bruand ou la belle époque. Et le cabaret de Bruand s'appelait Le chat noir à Paris. Donc c'était un petit clin d'œil à ce, à ce cabaret parisien et à ce Bruand qui nous avait un petit peu euh, vu, euh, nos, qui a vu nos premiers pas professionnels de la compagnie euh, ici en Dordogne. Les spectacles de la garouille sont assez diversifiés, je pense que c'est une de nos spécificités. On peut faire des spectacles de plein air, on peut faire des spectacles plus intimistes, on peut faire donc des créations aussi bien contemporaines que plus classiques. Et euh Toujours, toujours, nous avons mené, en parallèle de, nos, de notre travail de création, un travail de formation et de partage justement du théâtre avec euh, les enfants, les adolescents ou les adultes, que ce soit par le biais de nos cours de théâtre ici à Bergerac, à la salle du Petit Chat Noir, qui, où il y a trois ateliers, enfants, ados, adultes, ou que ce soit dans les écoles, où euh, il y a des comédiens de la compagnie qui interviennent dans les écoles. Et euh, c'est vrai qu'on a toujours eu à cœur de transmettre et de partager le théâtre avec toutes les techniques que ça implique. Techniques effectivement de voix, de respiration, d'expression corporelle, d'improvisation et, euh, et surtout de bah tout ce qui est aussi euh, diction, présentation au public euh, et puis se, se, se lâcher, s'exprimer tout en le contrôlant, tout en étant attentif à ce qui se passe autour. Et c'est vrai que c'est une école de, de la vie, on peut dire. C'est un apprentissage qui est quand même... Euh, assez profond, assez intense, et que l'on a toujours mené en parallèle de, nos, de notre travail de création. Donc euh, aujourd'hui, oui, c'est Gérard Guimain qui fait les mises en scène, toujours des spectacles professionnels. En revanche, la partie euh, formation, justement, depuis maintenant beaucoup d'années, il y a d'autres personnes de la compagnie qui ont été formées à ça, et notamment Amandine Bory et Florian Langsad qui ont pris le relais et qui animent justement tous les cours de théâtre pour les enfants, les ados et les adultes. Et les enfants, les ados et les adultes présentent des spectacles euh, au public une ou deux fois par an, ça dépend, ça dépend des années, ça dépend des groupes, euh, voilà, et du thème choisi. Alors les spectacles qu'on a fait jusqu'à présent, oula, il y a, y a de tout, il y en a pour tous les goûts. <laughs> eh bien écoute, euh, on, a fait, on a fait des spectacles comme Jacques Croquant, qui est un, un grand personnage du Périgord, euh, un révolutionnaire on va dire. Ça, on l'a joué pas mal euh, quelques années durant euh, sur des spectacles donc du plein air. C'était un dispositif scénique de 900 mètres carrés, 30 mètres par 30, sur plusieurs niveaux. Après, on a fait des spectacles beaucoup plus contemporains. On a pu faire des spectacles comme The Story d'Edouard Albi, une pièce où on était deux sur scène. On fait vraiment un peu de tout. On a fait Jésus, comme vous disiez tout à l'heure, euh, fallait oser, mais bon, pourquoi pas On l'a fait en grande fresque historique oui, on parlait pas de Jésus, euh, pas de religion. On parlait de la vie de l'homme. Après, ça n'a pas été très, très bien accueilli. Mais bon, c'est un autre problème. On fait de tout comme spectacle, vraiment. On a fait du cirque, on fait de la chanson française. Euh, là, on a monté un nouveau spectacle pour enfants de Cendrillon. Donc vraiment, on fait, on fait, de, on fait vraiment de tout comme spectacle. Et euh, depuis quelques années, donc, euh, dans le chapiteau, parce qu'on a travaillé dans un autre chapiteau avant d'acheter le nôtre pour voir si le projet était viable. Et du coup, on a fait beaucoup de cirque théâtre chancière qu'on a fait des, un spectacle qu'on a tourné beaucoup beaucoup dans, dans pas mal d'endroits et qui était vraiment très très bien reçu par les gens C'est intéressant je dirais que si on vous en fait plus parler vous allez nous livrer des secrets alors que les gens viendraient volontiers vous connaître savoir que vous avez beaucoup de mérite et qui vous est arrivé contraire à ce mérite une belle avarie euh, oui, alors je vais laisser Jean-Baptiste expliquer ça, mais d'abord je vais rebrosser un petit peu le contexte. Euh, depuis plusieurs années, le théâtre de la gargouille s'est spécialisé dans du théâtre itinérant, puisque nous aimons le milieu rural, nous aimons les spectacles professionnels, nous sommes une compagnie assez nombreuse, puisque nous sommes 15 professionnels. Et euh, nous aimons jouer dans les petits villages, sauf que les salles des fêtes des petits villages ne sont pas adaptées à nos spectacles et à l'ampleur de, des mises en scène, du, des décors, des éclairages que nous aimons euh, utiliser pour nos, spe nos spectacles. Donc euh, nous avons fait le pari de créer une, un véritable pôle culturel itinérant. À partir d'un chapiteau de cirque, nous avons créé donc cette salle qui est toute équipée plancher en bois, gradin en bois, éclairage, son, pendrillon. Donc, c'est euh, pratiquement un centre culturel que nous amenons dans les petits villages. Et donc, euh, ça nous donne vraiment une spécificité de théâtre itinérant. Et quand nous arrivons dans les villages, c'est vraiment toute la compagnie, 15 personnes, qui vivent pendant 10 jours. Euh, au cœur du village, qui on mange sur place, on dort sur place, on travaille avec les écoles, euh, les, les, les élus bien évidemment, les associations culturelles, et euh, en règle générale, sur une semaine de présence sur, le, sur la commune, c'est environ euh, entre 800 et 1200 personnes qui passent sous le chapiteau. Donc ça a vraiment un impact à la fois culturel, professionnel et d'animation, qui est très spécifique et qui est important sur le territoire. Voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est jeudi 27 novembre. Là, c'était le lundi 27 octobre. Euh, en pleine tournée, forcément, euh, nous partions de Montpazier pour aller euh, tout de suite à Sigoulès pour faire des représentations. Et là, ben la varie, comme vous dites tout à l'heure, euh, le camion, un de nos camions a pris feu sur la route. Pour une raison technique, apparemment, on pense que c'est un pneu arrière qui a frotté sur le plancher du camion et qui a foutu le feu. De là, vu que le plancher du, du chapiteau était dans le camion, le feu est parti sous le plancher du chapiteau. On a essayé d'éteindre avec des instincteurs, mais on n'a pas pu parce qu'on ne pouvait pas aller euh, vraiment sur le foyer. Donc le camion a brûlé. Le temps que les pompiers arrivent et que euh, tout ça, tout ça, ben, ça a mis trois quarts d'heure parce que les pompiers étaient sur une autre euh, intervention. Et quand les pompiers sont arrivés, il ben, n'y avait plus rien. Voilà. Donc pas de blessés pas de morts fort heureusement mais euh, ben, énormément de matériel donc énormément d'argent qui sont partis en fumée et... alors les spectacles ben, forcément ont été euh, pas annulés heureusement parce que les gens avec qui on travaille ont compris qu'on avait vraiment une avarie et que ce n'était pas du tout à cause de nous qu'on qu arrêtait les spectacles c'est parce qu'on pouvait tout simplement plus monter le chapiteau donc les spectacles ont été reportés au printemps prochain et le problème, c'est que bah, actuellement, pendant trois mois, on est on est au chômage technique parce qu'on peut plus monter le chapiteau, donc on peut on peut rien faire. Depuis 15 jours, 15 jours, on a fait un appel aux dons, euh, euh, ben euh, via les médias, on a, on a Via Sud-Ouest, le Démocrate, la radio France Bleu Périgord, etc. Et aujourd'hui, euh, par votre biais, on a fait un appel aux dons pour que les gens euh, sachent d'abord ce qui nous est arrivé, euh, le fait qu'on puisse euh, plus travailler pendant euh, voilà pendant un long moment, et euh, leur demander de nous soutenir pour que, <coughs> pardon pour qu'on puisse euh, voilà ben racheter du matériel qui a brûlé qui a pu, qui, qui n'a pas pu être remboursé par les assurances, etc. Voir si, et on, on constate que les gens se sont là largement mobilisés, nous soutiennent, nous, nous sont voilà, ils croient et euh, nous, vraiment sont, sont à nos côtés euh, pour qu'on puisse vite repartir, vite remonter le chapiteau. Si on a eu l'opportunité euh, de d'avoir cette salle du chapiteau, si c'est par rapport à, à, au soutien des collectivités locales et aussi de l'Europe, je pense que c'est bien aussi de rappeler que euh, parmi euh, enfin L'Europe n'a pas beaucoup bonne réputation en France et surtout en ce moment. Et il faut dire que quand même l'Europe investit beaucoup dans les territoires et notamment dans les territoires ruraux. Et le chapiteau, c'est aussi lié. C'est grâce au financement européen qu'on a pu euh, qu'on a pu monter ce projet. Il n'est pas financé uniquement par des fonds européens, mais aussi en grosse partie, en tout cas par des fonds européens. C'est un gros travail d'administration qui a été mené, une volonté de la compagnie depuis des années euh, d'aboutir à ce projet et euh, on, a, on a pu le faire et on a pu le faire en grosse partie grâce euh, aux fonds européens euh, Leader. Donc euh, ils, ils aiment bien qu'on parle d'eux aussi et je pense que. C'est bien aussi de, faire la, de, de, de dire les côtés positifs de l'Europe et euh, investir dans les territoires, animer les territoires. C'était une de leurs volontés dans, dans leur programme de financement européen. Et le chapiton, on, voilà, en est une illustration parfaite, je trouve. J'ai envie de vous demander, euh, quand on est une association, vous êtes une association, oui, oui. Euh, loi 1901. Oui. Euh, Est-ce que c'est toujours aussi compliqué de présenter un dossier à, à l'Europe, justement est-ce que c'est un dossier qui est lourd, qui prend du temps Ça peut intéresser des associations qui, qui veulent des financements et qui peuvent penser que c'est facile. Euh, alors facile non, parce que entre le moment où on a pris la décision euh, de demander des fonds européens pour, bout, pour avoir un chapiteau, je crois, que, et le moment où on a pu monter dans l'espace le, dans le, dans vert de la Garou, je crois qu'il y a eu six ans, six ans de, de de montage de dossiers, de démarches auprès de l'Europe, mais auprès d'autres organismes et auprès d'autres collectivités territoriales, parce que l'Europe ne prête que euh, si de, de notre côté, il y a des financements publics qui se font, c'est-à-dire euh, l'Europe ne finance pas comme ça sans rien, et il faut que ce soit adossé à des financements publics, donc il fallait également que l'on trouve des financements publics pour pouvoir bénéficier des financements européens. Donc ça, c'est très important que les associations ou même les entreprises euh, le sachent. Et ensuite, effectivement, c'est beaucoup de dossiers, parce que c'est quand même, quand même euh, des, des sommes qui peuvent être... Qui, il y a des petites euh, sommes. Hein. L'Europe peut financer des petits projets, mais aussi des, des projets de plus grande ampleur, comme le nôtre, qui est quand même un projet d'assez grande ampleur pour le territoire. Et, et il faut beaucoup, beaucoup de... Euh, de constance parce que qu'il faut être obstiné et puis après il faut avoir les reins solides aussi financièrement parlant parce que euh, le paiement c'est compliqué enfin donc il y a, y a quand même une, une longue procédure administrative à, à s'enquiller quand même, <laughs> faut le dire c'est dur c'est dur alors nous conseillons à toutes les associations d'avoir au moins un emploi celui de quelqu'un qui fait euh, toutes les démarches administratives si on prend un, 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 un bénévole très disponible, exactement. Euh, nous avons euh, effectivement perdu une grande partie de cet outil de travail dans cet incendie. Donc on ne peut pas, euh, on ne peut pas continuer notre travail si on, ne, si on ne peut pas le remonter. Donc en fait, on, a, on va procéder en plusieurs étapes. Les assurances vont nous rembourser une partie du matériel, mais pas la totalité. Pour donner des chiffres, pour que ce soit plus net dans la, dans la tête de tout le monde, euh, en gros, on a perdu pour 45 000 euros de matériel et les assurances vont nous rembourser 20 000 euros à peu près. Donc il y a, y a une différence, bien sûr, qu'il faut combler. Euh, le rachat du camion coûte 15 000 euros. Donc, pour ce, ce rachat de camion, il n'y a absolument pas d'assurance. On était au tiers, c'est un vieux camion, donc on, sera, on ne sera pas remboursé. Donc, euh, on fait appel aux dons, à la solidarité. Il faut savoir que la gargouille est déclarée euh, d'intérêt général. Donc, tous les dons que les, les gens font seront déductibles à hauteur de 60% des impôts, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Donc, c'est quand même quelque chose d'important parce que si vous aimez le théâtre en milieu rural, si vous aimez les mis la mission que nous faisons d'éducation populaire et de, de, de de travail euh, euh, auprès des jeunes, des ados et des adultes et du justement du, du public en milieu rural. Euh, même si vous ne connaissez pas forcément la gargouille, pas encore, ou, ben, vous pouvez quand même soutenir cette, cette action-là, qui est une action de territoire assez forte. Et euh, donc on, on nous demande souvent pourquoi on n'a pas fait appel aux... Financement participatif qui existe sur Internet. En fait, le, le financement participatif est très intéressant, sauf que là, on a par exemple, on a besoin de 15 000 euros minimum. Mais si on n'atteint pas ces 15 000 euros, si on a par exemple 14 000 euros de dons, et eh ben en fait, on n'a rien. Donc euh, voilà. Donc si on n'a que entre guillemets 14 000 euros de dons, alors qu'il nous en faut 15 000, avec 14 000, on pourra quand même racheter un camion. Et puis on rajoutera au besoin les mille qui manquent. Mais euh, c'est pour ça qu'on a choisi de faire on commence du moins comme ça, euh, par nous-mêmes, par nos propres moyens de diffusion et de, de voilà. Donc le, la, le théâtre de la Garouille a un site, c'est très facile théâtrelagarouille.com et euh, Agnès a fait un site très très qui est mis à jour régulièrement où on voit la jauge justement du camion qui monte, qui monte, qui monte et là on en est à la moitié de nos besoins. Donc euh, c'est très simple pour pour, euh, pour participer et pour euh, voilà pourquoi on n'a pas fait ce autre, on, pourquoi on s'y prend de cette manière. Euh, ce que je dirais, c'est que vous ne militez pas, vous faites. Et donc, il y, y a quelque chose qui est l'opposé de la facilité, où justement, vous ne prêchez pas quelque chose. Et les spectacles ont, ont envie de, de dire euh, Nous serons encore là. Ben merci, c'est très bien, parce qu'effectivement, euh, c'est une de. Moi, c'est un de mon grand dada dans la vie, c'est. Soit, quand on est artiste, soit on se met en dehors de la société, soit on se met dans la société. Et nous, on a, on a de cesse de montrer au, à la gargouille qu'on peut vivre. Dans la société, en étant avec des partenariats officiels, avec les communes qui nous accueillent, en résidence permanente avec la ville de Bergerac, soutenue par le Conseil Général, les fonds européens, comme l'a souligné Agnès tout à l'heure, et en même temps garder notre spécificité, notre identité d'artiste. Et effectivement, nous sommes des gens qui vivons un peu, un peu en marge de la société, mais nous avons de cesse que d'être reconnus aussi et d'avoir une vraie place euh, dans, la, dans notre société telle qu'elle qu est aujourd'hui, justement pour essayer de la rendre. Meilleure, de la rendre plus conviviale, plus cultivée et plus réfléchie et ludique. Merci beaucoup à vous et à tous les gens qui nous soutiennent et qui nous soutiendront. Merci bien sûr à tous nos soutiens et à très bientôt sous le chapiteau. Oui. Oui, oui, oui. Faire une soirée de alors quand le chapiteau sera remonté au printemps, on fera une grande soirée de soutien, puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent venir jouer euh, gratuitement sous le chapiteau, justement pour, que, pour euh, faire une soirée de soutien pour la gargouille. Et donc, je pense qu'au printemps, il y aura une, une belle soirée, voire même peut-être un festival pour, euh, pour relancer tout ça. On va voir où, comment, ça, comment tout cela chemine. merci merci alors un chat noir porte bonheur Robert, please don't do this to me i love him so much